genre effectivement les jouets, en même temps on genre les comportements, et il y a chez les filles comme chez les garçons des lacunes de comportement. Par exemple, une fille qui veut être ingénieure, si elle n'a pas dans son enfance manipulé des instruments, joué avec des camions, elle... quand elle arrive à être ingénieure, il lui manque ça. De la même façon qu'un garçon qui veut être infirmier, s'il n'a pas dans son enfance eu le petit set là, de l'infirmier avec le stéthoscope, etc., il lui manque ça. Donc c'est dommage, parce que c'est une formation qui n'est pas complète. Et donc de dégenrer, ça permet de donner une formation beaucoup plus complète à un enfant. Ce qu'on a mis en évidence assez récemment par des mesures de RMN, donc des analyses scientifiques, c'est que quand un bébé naît, qu'il soit fille ou garçon, il a le même cerveau. Ce cerveau est très plastique, hein, donc il se forme avec l'environnement, avec tout ce qu'il va rencontrer, avec l'attitude des adultes autour de lui. Et très rapidement, comme il y a de la part des parents et de la part de la société des attitudes différentes pour une fille et un garçon, il va intégrer ça. Et à partir de 2-3 ans, il va être une petite fille ou un petit garçon. Et pas l'inverse. Donc voilà, c'est ce qui fait que finalement, on dit que si on veut éliminer les stéréotypes de genre, il faut commencer très tôt. C'est-à-dire que dans les écoles maternelles, si une petite fille a envie de jouer avec un garage, eh bien elle va jouer avec un garage. Pourquoi l'en empêcher? Si un petit garçon a envie d'avoir une poupée, pourquoi l'en empêcher? Mais derrière, les parents ne vont pas être d'accord peut-être. Et il y a le problème des parents qui ressort. Donc ça, c'est le stéréotype de genre. C'est différencier en fait une attitude par rapport au sexe. Parce que qu'une petite fille joue avec un garage, ok, qu'un garçon joue avec une poupée, on va dire, ah non, ça jamais, voilà. Donc ça c'est important. C'est tout un comportement, c'est tout un conditionnement, les jouets, qui font qu'après, la société devient inégale. Alors, il n'y a pas de loi, on n'a pas voulu légiférer. En fait, c'est le ministère de l'Industrie, et à l'époque, c'était il y a 2 ans, Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État, qui a décidé de prendre en main ce projet, de faire en sorte qu'il y ait une charte des jouets dans laquelle les fabricants et les distributeurs s'engagent, d'une part, à ne plus fabriquer de jouets genrés, ou s'ils sont genrés, qu'ils puissent être utilisés par les deux, les filles et garçons, et par ailleurs, les distributeurs de ne plus exposer de jouets pour les filles et de jouets pour les garçons, d'une part. Et quand un parent ou un ami vient chercher un jouet pour un enfant, à ce moment-là, au lieu de lui dire « est-ce que c'est pour une fille ou est-ce que c'est pour un garçon ?», c'est « qu'est-ce que cet enfant aime faire ? Quels sont ses goûts ? Qu'est-ce qu'il aimerait comme jouet ?» C'est fini, c'est plus c'est une fille ou c'est un garçon. Donc cette charte a été signée avec une trentaine de personnes, dont une dizaine de fabricants de jouets et de distributeurs, et les gros fabricants de jouets et distributeurs, ça va jusqu'à Mattel, les poupées Barbie, etc. Si bien que cette année, il y a eu une Barbie astronaute, une Barbie pompière, enfin, il y a eu plusieurs Barbies qui sont en fait un exemple de métier dit masculin, mais que des femmes peuvent aborder. Alors, les associations ne se sont pas jointes de façon innocente, je dirais. Si elles étaient là, c'était justement pour conseiller les vendeurs et les fabricants de jouets. Et donc, grâce à leurs conseils, il y a eu 2 types de documents qui ont été élaborés. D'une part, un guide de bonnes pratiques pour les fabricants et pour les vendeurs. Un guide qui fait une quinzaine de pages quand même, hein, avec des photos pour montrer ce que c'est qu'une mauvaise présentation de jouets, par exemple, ou une bonne présentation. Et puis, il y a eu aussi un guide de formation des fabricants et des vendeurs de jouets. Alors, c'est certain que plus on diversifie commercialement, et plus on peut vendre. C'est vrai. Mais c'est aussi une question de présentation, parce que si on présente des filles en train de jouer avec un jouet unisexe et des garçons
par ailleurs en train de jouer avec le même jouet, ça peut aussi être assez motivant. Tout récemment, on a reçu un mail avec une exposition de jouets d'une grande entreprise dont je ne donnerai pas le nom, c'est pas la peine, qui était genrée. À gauche, c'était les filles, à droite, c'était les garçons, et puis c'était marqué « filles ». Ça a été signalé par Twitter, et l'entreprise a répondu immédiatement, mais dans la journée qui a suivi, pour dire que oui, elle n'avait pas vu que ça se présentait comme ça, et donc qu'elle allait supprimer et remplacer par autre chose. Donc, on commence à voir que les fabricants et les distributeurs prennent ça très au sérieux. Et le fait d'être soutenu par des ministères, c'est très important. Surtout le ministère de l'Industrie qui les concerne en particulier, c'est quand même très important. Ce qui fait que les associations, on est 4 ou 5 associations, une qui s'appelle Pépites Sexistes, l'autre Jouer pour tous, Femmes et Sciences, on a toutes des actions dans ce sens-là. On est content de la façon dont ça tourne parce qu'on avance sur ce point. Alors, aujourd'hui, il y a quand même un progrès. C'est-à-dire que les jeunes parents sont demandeurs, justement, de jouets unisexes. Apparemment, ils se rendent compte que c'est finalement une attitude qui est nuisible à l'épanouissement d'un enfant, que déjà le stéréotyper très tôt. Les parents, je pense qu'il faut qu'ils soient beaucoup à l'écoute des enfants et qu'ils comprennent ce que veut exactement leur enfant. Parce que quand un enfant donne une liste de jouets pour Noël, par exemple, il donne une liste de jouets dans laquelle il y a à la fois ce que les copains auraient bien aimé. Un jouet, c'est quand même quelque chose de social. Hein. Donc, et puis il y a ce qu'il, lui, aimerait vraiment. Et c'est là-dessus, je crois, qu'il faut qu'on interroge les enfants. De même que ce que je dis là est valable pour les enseignants. Parce qu'ils ont aussi un très grand rôle à jouer. Et souvent, sans s'en rendre compte, ils genrent leurs propos. C'est pour ça qu'on dit qu'en école maternelle, déjà on devrait dégenrer les jouets. Dégenrer tout d'ailleurs autour d'eux. Parce qu'il n'y a pas que les jouets. Oui. Donc les parents, il faut qu'ils soient à l'écoute des enfants et que finalement ça vienne des enfants vers les parents et pas l'inverse. Ça c'est très important.